Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom à vous dans vos demeures respectives. Bienvenue à vous dans ce merveilleux programme de 20 minutes d'adoration qui est véritablement un moment merveilleux où Dieu nous fait énormément du bien. Nous croyons en une chose que lorsque un adorateur élève sa voix pour célébrer Dieu, une véritable adoration élimine la distance qu'il y a entre Dieu et l'adorateur. C'est-à-dire, lorsque vous commencez à célébrer Dieu, lorsque vous commencez à l'adorer, vous allez juste remarquer une seule chose. Le Dieu que vous adorez sera présent dans vos différentes demeures respectives. La Bible nous dit une chose merveilleuse dans le psaume 22, le verset 4. La Bible dit, pourtant tu es saint, mais tu sièges dans la louange, dans l'adoration d'Israël. Et l'une des choses merveilleuses que j'aime encore dans la parole du Seigneur, la Bible nous dit dans Exode 15, le verset 2, la Bible dit ceci. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Et lorsque vous lisez cette version dans la version King James, la Bible dit, je vais lui préparer une place. Je vais lui préparer une habitation. Et le mot qui est utilisé ici en hébreu est le mot nava. Nava qui veut dire préparer une habitation. Préparer une habitation du Seigneur. Tout simplement, lorsque nous l'adorons, lorsque nous l'élévons, l'une des choses qui sera en train de se passer, les Hébreux avaient cette pensée dans la tête, en adorant le Seigneur, en le célébrant, ils voulaient que le Dieu qu'ils adorent reste présent au milieu d'eux. Et voilà pourquoi ils adoraient le Seigneur avec la pensée de lui faire une habitation par des aules, par des éloges, par l'adoration. Et pour cela, ils n'hésitaient pas à élever leurs mains, à se prosterner, comme nous pouvons le voir dans le livre de l'Apocalypse 4, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards n'ont pas hésité à quitter leur position. Ils ont commencé à enlever leur couronne, à jeter leur couronne et à se prosterner. Et pendant ce temps, nous voulons tout simplement faire une place à Dieu. Faire une place à Dieu dans nos cœurs, dans nos pensées. Nous voulons faire une place à Dieu. Nous voulons lui faire à lui seul une place afin que nous puissions le célébrer, afin que nous puissions l'adorer ce soir. Alors que tu es en train d'élever ta voix, tu es en train de parler à Dieu, tu es en train de lui faire une place. Alléluia. Je te fais la place afin que tu viennes siéger. Je te fais la place afin que tu viennes siéger. Je fais la place pour mon Dieu. Je te fais la place afin que tu viennes siéger. Tu es bienvenu, Seigneur. Tu es bienvenu en ce lieu. Tu es bienvenu dans nos maisons, Seigneur. Tu es bienvenu dans nos cœurs, Seigneur. Je te fais la place, Seigneur. You are all that matters. I put you in front of my melody. You are all that matters. You are all that matters. Da-da-da-da bush. Qui compte,
la bouche. Tu es tout ce qui compte. Je veux te dire combien je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. T'adorer de tout mon cœur. Tu es tout ce qui compte. Abba, tu es tout ce qui compte. Yeah.
l'atmosphère, commence à parler à ton Père. Parle à ton Père, parle à papa, les crochets, les barres. Élève ta voix, commence à parler à ton Père. Dis-lui qu'il est tout pour toi. Dis à ton Père que tu es tout pour moi. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Parle à ton Dieu. Jésus,
À l'avancement de l'œuvre de Dieu à travers les 20 minutes d'adoration avec Jésus en faisant un don de matériel ou avec vos finances, de nous contacter au 00 242 05 315 15 70 ou encore par mail groupeadorationsion@gmail.com. Pour plus de détails, vous trouverez dans la description les différents besoins essentiels pour la bonne tenue de nos moments d'adoration. Que Dieu vous bénisse.